Bonjour. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Parce qu'on va finir le jeu d'un super réaliste cheval dans un hôpital, Ah ouais. puis après dans un donjon, puis après une usine de colle, si je me souviens bien. Oui, tout ça en passant par des petits monsieur qui voyagent à travers les toilettes. Oui, puis qui donne des pilules. Puis des gros dentiers. Puis des gros dentiers. Puis tout le monde a toujours un prénom et un nom de famille qui commence par la même lettre et qui est thématique. Voilà. Partons ça tout de suite. Donc, deuxième partie de Saint-Azole Hospital. Hospital, qui est bien entendu un jeu disponible sur Steam. Yay! Oui, on va chercher ça, répépo, et on était rendu. Tableau 22. Ah oui, Dr. Stockholm! Qu'on avait libéré du donjon parce qu'il était prisonnier puis il aimait ça être prisonnier parce que. Syndrome de Stockholm! Et là là. Ok. Bonjour, je me souviens plus du piton. Crip! Hello there, Hazel! From up here! From up here! I can see some workers discussing a brain controlling device! Ben oui, toi, check ça! Les sorcières! Oui, ah oui, il y avait pas de sorcières avec des masques là dans le bas, en tout cas. Wow, I've always wanted to try one of those. Ah, t'es sûr? Ok. Ah, c'est comme du lutin de Père Noël. Old fashioned Oleg. Call me old fashioned, but this mind control stuff is freaking me out. Much prefer the busy of hatches that put stuff around. This one here, for example, was send stuff up. Ah, cool, on va se téléporter. Tech fan Ted. Hey, did you hear about this new mind control tech? Apparently, you just need to stick your head in that screen. Although, you need a friend wearing a neck brace first. Ok. Ok, bon ben, hein, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je trouve que ces personnages-là, ils parlent beaucoup puis ils travaillent très peu. Ah, mais écoute, c'est probablement syndiqué. Ah. Oh non, j'ai l'air fait peur. Comment je fais? Comment? Je vois, il a dit qu'il fallait que tu aies un collier. Un ami. Ok, fait. Oh. Je comprends. Lecture Lisa. It's simple! It's comfortable! And you brought my controller! Ah, c'est ça. Ah, oh, c'est dans le cou, c'est pas sa tête, tu vois? C'est oui. Tout bien dessiné, le comme, dessin. Comme un collier, là, ce que je dis. Pareil. Hey, limited offer only, seller Susan! Oh! Feel free to try our very own demo! Ok, faut que j'aille chercher le demo. Là, il faut que je sois sneaky, c'est vrai. Ah ouais! Ben, c'est des médecins, même si. Ben oui, oui, c'est des. C'est comme des médecins. Hein. Oh non, oh non! Ben, il m'a pas vu. Non! Tu m'as pas vu, j'ai dit. Il t'a revu! Vite, vite, vite! Au moins, il y a plein de pilules dans les bancs. Ça va pouvoir me guérir. Ok, fait que là, j'imagine qu'il faut que je le fasse tomber dans le téléporteur, whatever. Là. Whoop, tu le mets autour de ton cou? Non, non, faut que je le donne à quelqu'un au bord. Oh, je pensais qu'il fallait que tu ça, puis il y a quelqu'un qui va sûrement aller vouloir le chercher. Oh, for me, je shouldn't have. Ah, oh, God. How does this thing fit on? Moi, je trouve que ton interprétation des dialogues est vraiment on point. Merci. Merci. J'ai presque. Non. Fit like glue! Parce que tout le monde met des gants dans son cou. Now, let's put this to good use! Attends, ça prend plus de pilules parce que je me suis. Pas bon. Je le disais parce que je m'étais fait blesser, mais on va être honnête. Peux-tu péter ton bureau? Peux-tu péter d'autres affaires? T'as fait pleurer, la madame! Ok, fait que là, on met notre tête ici. Oh oui, regarde! Oui. Ok, fait que là, j'imagine. Ça, on l'a fait la dernière fois, right? Mais c'était pas avec un collier. Ouais, c'était avec un chaudron. Un chaudron spécial. Ah, oh, j'ai brisé quelque chose. Allez, active le levier. Crank, pousse le levier. L'autre levier! Un clin d'œil à l'empereur nouveau jaune parce que c'est le best. Ok, ça fait. Oh! Oh! Les crapauds quoi? Les crapauds, les deux doubles. Ah. No more deux doubles. Les accidents de travail. Ah, bonjour madame.
Souvent, tu vas me donner la combinaison de ces leviers. Let the factory workers are using some sort of lever password. Puzzle, Petunia! Ah. I'll have a good puzzle, there must be a clue somewhere near me. Oh, regarde, il y a une fucking licorne qui dit You can do it, super glue. Ah, moi, je suis pas capable de le voir. Okay. Fait que faut trouver le code quelque part. Ah, y a-tu un code, tu penses? Je sais pas, mais assez dans le V1, peut-être qu'on va voir des choses qui se passent. Mettons que je fais ça, là. Comme des ah, attends, il est là. Je l'ai trouvé. Regarde les lumières là-bas. Vert, rouge, vert, rouge, rouge. Magnifique. T'es si bien caché. Rouge, vert. Eh. Ah ouais, petit coco. Vert, rouge, vert, rouge, rouge. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, ben, mettons que je fais juste quitter, là. Comment je fais quitter? Je pense que tu voulais comme. Ah, il fallait que je fasse sneak. Ah. Moi, voilà. J'aurais pensé qu'il fallait que t'arrêtes les flamethrowers. Non, ben les flamethrowers, je pense qu'ils servent à se faire détecter puis ils vont brûler dans le flamethrower. Ah, puis après ça, après ça, tu les éteins, genre. Pourrais, ou je pourrais simplement faire... Courir vite à travers. Passer proche, puis là, je pense que je reviens plein de vie en plus. Wow, I'm not entirely sure how I got here. Ah, je sais pas, t'en souviens pas? Hey, check it out! Are those crates full of hallucinogenic glue? Oh non! Là, la colle! A good thing none of us have developed a drug addiction, right, Hazel? Oh mon dieu, il hate! Right, Hazel? 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 Oh my god! Ah, faut prendre des caisses puis le mettre sur le poussoir! Non, viens ici! Viens ici! Avec la drug addiction, tu comprends que. Ah, il sniff avec la colle, c'est ça, il sniff la colle avec sa langue. Voyons, Tarnouche, je suis dur, mettre une boîte. Ouf! Ça marche. Quand tu l'utilises avec ta langue. C'est plus complexe, je suis pas habitué. Ah, il y a une porte. Ouvre la porte. Prends la banane. Ah oui, les bananes, on pouvait les lancer sur le monde. Pour qu'ils tombent. Tiens, ya! Yeah. Allez, regarde-moi! Monsieur Mitt. Oh. Un peu déçu. La stratégie la dernière fois, c'était d'aller leur porter dans le dos comme ça. Ils m'ont dit parce que vous avez une banane. C'est qui toi? Je peux pas te parler! Mais monsieur! Capable de le déplacer sur Monsieur! Qu'est-ce que je peux mettre? Ça prendrait une boîte. Une boîte. Ah, est-ce que le monsieur peut servir de boîte? Ouais. Non, le monsieur n'est pas une bonne boîte. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je pense qu'il faut que je mind control quelqu'un. Ouais, visiblement. Ah, mais oui, monsieur Stockholm, bien sûr. L'homme c'est clair. Oh non, I forgot my clearance card again. I think there's a fair one in the office. Ok, on va prendre une boîte. On va prendre une boîte. Pitcher une boîte. Ah, puis c'est vrai, j'ai ma langue avec Monsieur Stockholm. Check ça, comment c'est merveilleux. Ah, en fait, sur le tapis roulant. Tapis. Oups, je l'ai brisé. Oups, je l'ai brisé beaucoup. Sur le tapis. Ah, peut-être, c'est pas ça. Yeah! Peut-être que... Oh, attends! J'ai pas vu, il y a comme une grosse chose qui fait que la boîte, elle peut pas passer. C'est sûr. Oh, c'est pas clair. Comme... Moi, j'avais l'impression que ça passait en dessous, mais non. Mais non. Ça tombe. Oh, attends! T'as vu la... Oh non! I'm so dumb! Va falloir que je la pousse. Va falloir que tu fasses ça pas mal vite. Ouais. Vais-je y arriver? Hey, j'ai l'agilité pour faire ceci. Toutes ces questions dont nous avons les réponses. À suivre, dans un prochain épisode des techniciens. Bon, qu'est-ce que c'est? Wow! Regarde, j'ai une boîte! On va la mettre dans le trou. Et c'est maintenant devenu le technicien parce que Laurent, ça agresse son bien. Il y avait une flèche, là. Oh, c'est le monsieur de. Des toilettes. Des pilules, là. Des toilettes. Toilette Jimbo. Oh, hey, horse dude. Good to see you again. You gave me one of those glue crates.
I'll hook you up with the good stuff. Là, tu vois tous les yeux de Hazel qui comme... Viens avec la petite carte. Oups, on va rentrer ici. On va aller avec la petite carte là. Non, je sais pas trop où j'allais là-bas. Qu'est-ce que je dois faire avec la petite carte, tu penses? C'est la porte. Je la donne à Clara. Pourquoi mon bonhomme il se déplace tout seul? Ouais. Ta souris, elle glisse ou... Non, non, c'est pas la souris qui glisse, c'est lui. Ouh! Oh, plein! Ah oui, il est sous. C'est peut-être à cause de la colle. Vraiment? Ah, attends, je sais. Faut peut-être la mettre ici, parce qu'elle va apparaître ici. Puis là, petit coco va pouvoir aller la prendre et aller la porter l'autre bord. C'est pas wise. Beau, ça? C'est ça, les téléportes. C'est ça. Non, pas ça. Non, non. Lâche tes boîtes avec la langue. Non! C'est non! Non! Il veut plus! Il fallait que je lâche le mind control. Ah non! Il est encore addict aux boîtes. C'était pas facile. Alors, on a la petite carte. On s'en va. Ici! Ouais! Oh! Ça, c'est beaucoup de levier, dis donc. Mm-hmm. Pousse! Et pousse! Ah, oh, j'ai raté la note. Les deux. Ok. Un peu plus long pour le levier. Ah non! Ah mais non! Quelle déception. Aïe. J'ai pas de talent. Hey, Jaga! Encore, fais-en en plus. Hop, oh, non, 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 non. Oh, c'est pas facile. Tu savais à quel point mon clavier a été brutalisé dans cet instant. Il appellerait le CPJ, là. Oui, le clavier. Clavier, je pense. Ça marche pas le même, je pense. C'est le DPC. Oh, deux boîtes pour le prix d'une. Oh! Oh yeah! Okay. Et là, pas facile. C'est le Sachi. Ok. Ok. Je vois même pas où le poussoir est là. Oh, je l'ai vu. Oh non, non, non! Ah oui, non, je savais. Thanks, man. Thanks, man. Nothing like some good horse glue. Oh non! No more friends, of course. Quoi? Bon. Oh, oh, est-ce qu'on va au Vietnam? Non, on a fait le Vietnam, on a fait l'espace. Non, mais je sais pas si on a... Je m'appelle Rose. Hi. So. Oh, great! Don't worry, everybody, I'll get you something to eat. I'm fam. Look, there's an apple right here. Just wait here, buddy. I love apples. What? What's that sound? Bang! Oh, joy. Oh, no, that's it. Here you go. Honey, I got an apple for you. I don't need any more apples. Now when Hazel is here. Hazel, you're the only friend I need. Oh, c'est pas ça. Oh, pauvre fille. Oh, il se touche avec la langue, ça a l'air. Elle va te pleurer. Oh, elle va devenir méchante. C'est là. C'est même. Ça a commencé. Le backstory de Frida est fait. Écoute, c'est tout le temps comme ça, hein, les méchants dans les films. Souvent, c'est des roues, premièrement, qui ont été ignorés ou qui n'ont pas été smart avec, là, ils deviennent méchants pour se venger. Fait que moi, je te dirais, Francis, j'ai toi. Si tu veux pas que... Je vais te donner toutes les pommes que tu veux. Parfait. OK. Start, Teddy. Hey, you, where's your protective hat? Here, why don't you take my spear? Oh, it's great on you. Oh, mon Dieu, la drogue. Now, if you don't mind, I'm off to do some important work. Oh, oui, c'est vrai, parce que c'est toutes les personnes âgées parce qu'eux sont pas capables de reconnaître un cheval d'une autre personne. Ah, c'est ça la prémisse. C'est la prémisse, les vieux sont pas capables de remarquer. Mais les docteurs, oui. Oui, ben oui. Un muffin. I'll take a muffin. Ça prend un doctorat, être capable de voir... Un cheval. Un cheval? Un cheval. Voyons, muffin. Muffin.
Je ne sais pas pourquoi je voulais le morphine, mais j'ai le morphine. C'est tout ce que je veux. Un morphine. Je pense que tu voulais le prendre avant le monsieur. Ah, un petit monsieur. Ah, c'est sûr que le Père Noël voulait un morphine. Junior! Hey, c'est Santa pour vrai! Could you see him, Teddy? Why that lazy? We still have one shipment left! We're all out of wooden planks too! Oh no! We're gonna have to send some crates through this machine so we can make more planks. Okay. 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 Contrôlons Dr. Stockholm! Personne veut de morphine, c'est ça? Ah ouais. Whoa! Oh! Oh non! C'est, elle a coupé la tête d'un cheval? Ça, je pense que c'est notre tête. Je pense que c'est son ambition dans la vie. Oui. Après l'incident des pommes. Mais oui, mais t'as eu une attitude de merde, là. Oui. Est-ce que je peux parler à elle? Osha, Olga. None of this seems particularly safe, huh? Your hand. You're wearing a safety hat. Yeah, it's probably fine. OK. OK. OK, je comprends. Là, tu vois, c'est un, deux. Là. Fait que là, faut qu'il y ait du bois qui tombe là. Ouais. Là. Que lui, ensuite, il change le flamethrower. Ok, ok, je comprends. Oh, beau boy. Là, c'est ma job d'aller porter des boîtes. Allons chercher des boîtes. Quel genre de boîte? Ah, si tu as des grosses boîtes là. Non. Schmish! Schmish! Des trucs en bois? C'est pas ça. C'est moi, ça prend des trucs en bois. Hein. Comme de l'autre bord, là, t'as des boîtes en bois. Yeah, je suis cool. Ben, t'étais à côté, il y avait. Ah, ils sont là! Ok. Fait que là, il doit avoir un levier. Ah oh, oui, ici. Boum! J'ai une boîte. Dans la boîte. On la met ici. Wink. Ensuite, on parle à Dr. Stockholm. La boîte, elle va. Et voilà! Elle apparaît ici. Faut pas qu'elle se fasse brûler. Et boing! Et boing! Tu le talent? Le talent. On dirait que t'as été une tête de cheval toute ta vie. On dirait tête de mule spécifiquement, mais. Yup. Ah, regarde, j'ai du bois. T'en faut combien plus, monsieur? Une plante. Good job, but there's more to do. This time you have to run the plane through the machine. Not the final step of promise. Mensonge! Mensonge! Imagine si je me trompe. Et la planche. Oh, wow! Oh, caméra, ça ne m'amuse pas à faire ça, là. C'est stressant! Oh! 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 C'est ça à cause d'un problème de caméra. Encore? Oh, c'est devenu un petit cheval! Oh. Le petit cheval. Un cheval de trois. T'as l'air d'un cheval de trois. That tail will do it. I'll send this off right away. Here, your ship is over now. Oh wow, il me donne de l'argent. Ah, oh, il me donne une carte. Ta patte, check ta patte. C'est comme la petite roue d'un panier d'épicerie. T'as échappé ton chapeau. Oh non. It seems your work is here now somehow. I've always wanted to be one of Santa's helpers. Oh, yay. And check it out, there's another one of those big machines. Okay. Machine. Moi, il n'y a plus de Docteur Méchant. Stacking Stephen. I keep stacking him, but we never run out of bugs. D'accord. Genre, je pourrais te briser. Je me brise direct devant lui. Il est comme. Ah. Why? Bon. You see, man, you just keep prison hassle. It doesn't matter, you cannot stop my love for Betty. As soon as that, hee hee. T'as-tu pensé t'excuser à la place? Peut-être que ça réglerait tous les problèmes avec Frida. Non! Excited, Edward. You know what would be really exciting? Some good plastic explosives. If you find some, we can blow up this door. Okay. Doesn't that sound like a fun dam? Sure. Ouais, sure. Okay. Toi, la petite madame. Standing Sally. I love standing on stuff, but this pressure plate won't bear. If only I had, I was made of metal. I'm a worthless worker. Okay. Bon, ça fait quelque chose en métal, comme le plat.
des clopes. Comme la machine distributrice. Peut-être. Ink Ships Alex. This work with us, Infi. It's not even broke down in front of my very eyes. Oh. Ah, ben oui, tiens. Ah. I hear we're going to replace it with a wooden bridge. Mm-hmm. OK. Donc, si je comprends bien, je peux prendre cette machine. Je ne peux pas. Si je comprends bien, je peux prendre quelque chose en métal. Est-ce que son rack... Je peux pas le prendre, le rack. Peut-être la boîte ouais. est considérée comme étant en métal ouais. à cause du entouré rebord. Entourée de métal, un tantinet. Dans l'autre tableau, c'était de même? Ah, ben ça ouais. marche. OK. Ah! Qu'est-ce que ça a fait, dit? Ça l'a pas marché. C'est ça que ça l'a fait. Ben oui, oui, la plaque est écrasée, regarde. Ouais. Regarde, là, ça s'est pas écrasé? Ouais. Ça s'est écrasé. Si. Mais c'est peut-être pas ça qu'elle veut. Peut-être, faut que j'aille là. Ah, peut-être que ça ouvrait ça. Non! Ça, c'est Standing Schnoot. Non, Stacking Stephen. Ah, bon. C'est la première porte. Retourne où est-ce que t'étais. Retourne où est-ce que j'étais. Tu parles de cette porte-là? La première porte, non, même pas. Ah non, elle serait verte. Ah, oh, attends, faut que je contrôle Monsieur Chauve. Parce que je suis sûr que ça allait ouvrir une porte en haut. Ouais. Pour quelqu'un d'autre. Je pense que je suis sûr que ça a fait ça, que je pense que je suis sûr. Genre cette porte-là. Il va avoir une porte. Bien. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Oh! Ça a l'air sécuritaire. Prends le maillet! Mets la maillotche! Ah, merci! Un autre maillot, plein de maillotches! Ça a pas l'air d'une pièce pertinente. Oh, oh, ma langue a cassé. Ah, attends, faut que je mette des trucs en bois. Pour que je mette des trucs en bois, je dois... Pitch la chaise! Ah, ben attends, c'est des planches, là? On fait des planches. On va sortir un petit cheval. C'est triste parce que tu peux pas faire de voyagement de paresseux comme dans prendre plus que... Ah, ça donne des pilules, mais... Et une planche se divise en deux planches, c'est-tu pas beau, ça? Unexpected. Ou c'est la chaise aussi que t'as mis. Non, je suis pas sûr. Ça, je vais en apporter un autre. L'art de manier sa langue. Tombe 1. Faut pas tomber dedans, monsieur Stockholm, OK? On va essayer de mettre le métal. On va essayer de mettre le métal. Oh! Oh! OK! Oh. OK! Very good idea! Ça c'est quelque chose de le bon, ça. Attends, je vais prendre plus. Attends, du plastique pour faire des explosifs. C'est vrai, c'est ça qu'il disait. On va tout faire péter. Et voilà. Puis là, pour faire... Ah ben tu vois, ça a fait tout plein de planches pour faire le pont. Mets la plante, donc! T'as pas mis la plante! Ah, la plante pour faire un pont? Kimmy, I'm where you are! To hit Jim! Wow. On va prendre... Attends, je vais essayer de voir juste ça, mettons. Ah ben, tabarnouche. Qui l'eût cru? Il l'a cru! You can't just use a regular prank for a bridge. That's gotta be some kind of OSHA violation. Well, sue yourself! D'accord. Puis, la planche. Non, l'explosif. On va aller voir monsieur. Monsieur. Atsi. Si, monsieur. Oh! Ah! Je me croyais beaucoup trop proche. D'accord. Yeah, look at the magnificent team. Oh, great work, fellow employee. Mm-hmm. Là, ça, c'est la colle. Pas du tout hallucinogénique. OK. Là, monsieur, on va y aller en sneak. Tu peux le coller dans la colle, j'ai l'impression. Tu sais, si tu en mets derrière lui. Ah, ça aurait peut-être pu, ouais. OK. Qu'est-ce que ça fait, ça? Levier! Oh! Une douche! OK. C'est pour une douche de yeux, tout d'un coup. T'as de la colle dans les yeux! Banane! Non, je prends pas la banane. À moins que j'ai besoin de la banane, je peux-tu aller par là? Si tu es un téléporteur? Nope. Ah, mais il y a des boîtes qui passent. OK, je vais aller par ici. Ah, ben oui, regarde, on peut picher la colle. Brillante. OK, ici.
Oh non, ça, ça fiche des choses! Non! Ah! Oh, ça me semble dangereux, ça. Ça me semble, bah. Fait que, c'est une sarouche. Oh, au! Non! Sans non. mourir, faut que... Au! Mais c'est pas facile. Ah, oh, je sais! Tu vois, là, il y a les boîtes qui commencent à s'accumuler, c'est parce que de l'autre côté, le petit monsieur avec le collier, il faisait un, comme l'inspection. Ça serait que ça soit juste de la colle qui passe. Il a l'air d'être triste en ce moment, ce petit monsieur-là. Mais c'est ça. Fait que là, il peut plus faire sa job vu qu'il est triste. Oups! Pépopépopépopépopépop, on rentre ici, on rentre ici. Ouf! Pas facile. Oh, deuxième porte ouverte. Yo, le petit monsieur, il a peur à cause des explosions. Mais, l'as-tu consolé? T'es rip malfunction, you poison me, supposed to shoot at horses. Ah. Oui, c'est exactement ça, elle est bizarre, oui. Elle est brisée. Mais c'est weird, hein? Bizarre, ça. On va aller trouver des pelules. Ah, ben voilà. Plein de pelules. Bon, il manque le petit pont. On va aller faire chercher le petit pont. Ah, Caroline de Bin. Sneak, sneak, sneak. Ah, oh, elle a tombé dans la colle. Je vais faire... Ah, c'est juste de la colle. Ben, je parle. Wow, ouais, ça a l'air. On va aller voir. C'est-tu de la colle, madame? Sniffer Stella. Sniff, sniff. Nothing like the smell of glue and coffee in the morning. Ah, oui. Okay. Oh non. La plante est collante. C'est peut-être parce que c'est de la horse glue, peut-être que ma langue est collante. Oh, pip, oh, pip, monsieur, non. Non, c'est non. C'est non. Hey, cache-toi derrière la plante. Oui, c'est sûr. La chambre de musique, elle a changé parce que là, c'est sucré. Tu les pattes. Problème. Oh, non! Oh! Il va tomber. Ouh! Pas de broche. Broche. Oh, on passe. Yay! Puis là, la sortie, ça se retrouve là-bas. Non. Ah oui, par ici, puis l'autre côté. Yes! Un, deux, trois, un balai. Oh! This machine is so fun, Hazel. Hey, I just got a great idea. I wonder what happened if I... No! Any doctor? My kids will love this. You're coming with me. Arrange your adventures. Bye, Hazel. Oh. Okay. Oh. Ben. Oh. C'est la fin de personnage, ça a l'air. T'as l'air d'avoir un peu de douleur. Juste un petit peu. Ça fait un pont sur ma tête. Ah, des gargouilles. Je pense qu'on est rendu au bureau de Frida. Ben, est-ce qu'on va aller présenter nos excuses? Oh, mon Dieu! Ooh. Hey, Hazel, we're so glad you could join us! Avec les mains de Monsieur Burns. Tu te rappelles pas du film Mars Attaque? Oui! Ça me donne ce feel-là, le contenant sur sa tête. Unfortunately, you're just a little bit too late. Your knee issue won't work anymore, Hazel. Your cursed body will love you, be free! See for yourself, come on, B-U-D-D-Y. Oh no! Oh, buddy, I love you. Now destroy your best friend. Hazel, the Failure. Oh, il est fâché. Regarde ses sourcils, comment il est fâché. Ben oui. Il a l'air moins sadrogue. Destroy Hazel. Oh, mon Dieu! Oh! Ok, check bien ça. Faut que je le fasse foncer... À quelque chose qui... Sur les poteaux. Oh, il est dedans. Ah, ouais. Et voilà. Whoa, buddy, you silly horse, don't do that! Turret's attack! Oh non, pas des turrets! Nope. Peux-tu te frapper toi? Non. Ok. Il faut que j'attende qu'il se relève. C'est long, ça. Et... Les choses, ils tirent quoi? Mettons les canons. Ah ouais. Peut-être qu'il faut que tu t'attaques les canons. Oh, ok, je peux les péter, oui. Il s'est fait tirer vers les colonnes, ça va. 1, 2, 3! Get him, buddy! Get him! Kill Hazel!
Au! Non! Faire prendre la drogue, ça serait... Oh mon dieu! On va aller chercher la drogue! Drogue! Il est un peu primé, là, hein? Juste un petit peu. Comme un toréador. Non! Là, il va en avoir 3, 4, t'avais prévu. 1, 2, 1, 3. Oh, fuck, je l'ai pas eu. C'est 3. Yop, et 1, 2, 3. Hop, et 3. Hey, la coordination de tout ça, là. Je te dis, c'est un cheval de course. Oh mon dieu! T'es-tu pogné avec ta langue? Cache-toi direct derrière! Ouais, ben c'est ça que je veux. Il est trop prime. Allez, fais-le. Oh! Explosion! Hazel, Hazel, wake up! Ça, c'est Buddy. Oh, Hazel, it's so great. I was feeling so sick, but now thanks for my new buddy. I feel great. All thanks to you, Hazel. Not again. Well, hi, Frida. Thanks for helping Hazel give me this new buddy. I don't understand. Why won't you just accept my lure, buddy? Why? What are you talking about, Frida? Didn't you help me make this new buddy? Well, yes, I did. All this time, you've just been trying to help me, haven't you? Yes, that's right. You don't need to worry about trying to prove yourself anymore, Frida. So you mean? That's right. You'll always be my second best friend. Come on, guys, let's go home and eat some apples. Fait que Buddy, c'est vrai que tout le long de l'histoire, Buddy, il était dans son lit. Oh, c'est la fin. Merci, James Kinroy Sunland. Oups, Alexander. Wow. C'est quelque chose quand même. On peut regarder le beau coucher. La planète est très courbée. Très. Mais tu vois que c'est là que le jeu n'est pas réaliste parce que tout le monde sait que la planète est plate. Écoute, tout le monde ne le sait pas, premièrement. Quelques personnes irréductibles qui pensent que non. Wow. Mais il y a des belles leçons qu'on peut tirer de ce merveilleux jeu. C'est pas grave si t'es le deuxième meilleur ami de quelqu'un. Faut pas être jaloux. Que la drogue, c'est mal. Certaines, ça. Que le Vietnam, c'était difficile. Surtout pour les chevaux. Surtout pour les chevaux. Puis moi, j'aimerais ça rappeler qu'au début, il a quand même avalé un walkie-talkie. Oui! Pendant vraiment longtemps, on parlait à Bolly à travers notre bedon qui résonnait. OK. Wow. Et voilà. Ah. Oh, je me sens assez bien là, d'avoir complété ça dans ma vie. Ouh. Puis, une chance que tu étais là. Moi, j'ai été sous le choc une couple de fois là, pour faire comme « Oh mon Dieu, voir qu'ils sont allés là. » Ouais. Mais il y a eu beaucoup d'efforts dans le nom de tous les personnages, le texte, qui étaient des bonnes petites dates pour chacun. Ouais. Puis pour le reste, ben c'est un jeu plein de rebondissements. Écoute, je pense que tu aurais aimé ça comme job. Tu sais, il pourrait t'engager pour dessiner, comme pas dessiner, mais décider quel est le nom de chaque individu pour faire des jeux de mots. Ouais, j'aurais clairement dit oui pour ça. Tu aurais pris le contrat, right? Ouais. Puis je l'aurais fini en une journée, par contre, ça aurait été très rentable. J'aurais pas dormi, je l'aurais fait. Bon. All right, ben Colin, public, j'espère que vous avez été divertis. Vous nous donnerez vos suggestions de prochains jeux. On en a quelques-uns en tête, mais on veut vous entendre là-dessus. Oui. Puis, mon Dieu, à une prochaine fois, mais merci Laurence de ton assistance technique. Écoute, ça me fait plaisir d'avoir mal au cœur dans des vues de caméra qui bougent.